D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pack opening. Donc là, vous avez vu le vide sur les petits coffres. Donc là, je vous montre. Enfin, là, je regardais les gemmes du Crown Chip. Du Crown Championship. Je me demandais ce que c'était. En fait, on a une réduction. En fait, on a 200 gemmes pour en gros 1€, je crois, c'est ça. 1,10€ peut-être. Parce que c'est 1$, donc je sais pas combien c'est 1€. Bref, donc vous voyez les coffres. Il y a un petit coffre magique. Alors le plus intéressant, c'est le coffre magique et le coffre de défi. Donc là, je commence le coffre gratuit. Donc 95$, comme vous avez vu, 5 gemmes, 11 squelettes. Donc là, 2 pierres tombales. Ensuite, on va passer, je pense, au deuxième coffre gratuit. Donc là, je parle dessus gameplay. Donc coffre en argent. 75$, 11 géants royales. Dernière carte. 2 golems de glace. Donc là, c'est pas ouf. Hein. Pour l'instant, coffre en argent, rien. Coffre gratuit non plus. Donc là, on va passer au deuxième coffre gratuit, je crois. Ouais, c'est ça. Donc 3 cartes, 95$. 3 cartes après, 2 gemmes. Donc là, bah, du coup, pas de légendaire. Donc 11 gargouilles et 2 cabanes de gobelins. Donc là, non plus, c'est pas extraordinaire. Donc voilà. Ouais, après, on a aussi un petit coffre de clan. Donc ça, c'est pas mal. 65$. Une TDE et 12 bombardiers. Ce coffre en argent sur ce... ouais, c'était le dernier coffre en argent. Donc là il y aurait coffre de clan, coffre magique et coffre de défi qui peuvent être très intéressants. Donc là 238$, 8 Tesla, ensuite 10 chauves-souris, 19 géants royal, et pour finir nous avons 4 méga gargouilles. Donc là c'était le petit coffre en or. Là je vais faire le petit coffre à couronne, je crois, ou quoi que du coffre de défi, je sais pas. Là il y a 9 rares dans le coffre de défi. Et dans le coffre à couronne, je crois qu'il y en a un petit peu moins. Quasiment 600 d'or, 4 gemmes, 11 gobelins, 22 chauves-souris, 41 barbardiers. Du coup, là, ça sera une petite épique. Normalement, si je me trompe pas, je sais plus. Non, même pas. Ce sera des rares. Donc, gobelins à sarbacane, 8 gobelins à sarbacane. Donc, on a eu 8 rares. Et dans le coffre de défi, je crois qu'on a exactement 8 rares aussi. On a pareil. Donc 2500 d'or, on arrive quasiment presque à 70 000 d'or. 7 chevaliers, carte commune. 34 chauves-souris, carte commune également. 42 barbardés, encore de commune. 9 guérisons, donc là on peut avoir 9 rares. Et une petite épique, le petit miroir. Donc ça c'est un plus, ça fait plaisir. Donc voilà, il y a le défi du Crown Championship. Alors vous verrez dans une prochaine vidéo, j'ai essayé de le faire pas mal de fois. Vous verrez une vidéo où j'ai quand même réussi à faire pas mal de victoires. Et où j'ai ouvert un petit coffre magique dans ce défi, donc vous verrez ça dans quelques jours. Donc là, coffre magique, je vais assez vite, 14 chauves-souris, du coup 35 mortiers, 6 fournaises, 45 zaps. Ensuite il reste 3 cartes. Donc là, une épique, armée de squelette. Dommage, il y aurait eu 2 épiques, j'aurais pu avoir une légendaire. Mais là, du coup, ben, il n'y en a qu'une. Donc 19 guérisons, et pour finir, du coup, ça sera une épique, évidemment. Même 3 épiques, donc 3 charrettes à canon, que je peux passer d'ailleurs au niveau 3, même peut-être au niveau 4. J'en ai 23 sur 4, donc je pense que oui. Donc la coffre de clan 6 sur 10, donc ils n'ont pas été très actifs parce qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances, donc je les comprends. Donc on a 14 chauves-souris, on a eu un petit peu d'or avant, on a 20 gangs de gobelins, on a eu 88 squelettes, 14 chauves-souris de cochon, et pour finir, une petite épique, on a 2 armées de squelettes, encore l'armée de squelettes qui est encore là. L'armée de squelette, ouais, je suis pas très fan. Je ne joue pas trop, mais bon, ça reste quand même une carte. Donc voilà, là, il y a, on va ouvrir le petit coffre épique d'ailleurs aussi. Vu que j'ai 70 000 d'or, autant en profiter. Voilà, petit coffre épique. J'espère avoir du ballon, mais bon. 2 fuyaux gobelins, 2 foudres, 4 PK, et donc vu qu'il y a 20 ou 10 ou 20 épiques dedans, il y en aura pas mal là à la fin. Il y en a 20 épiques dedans. Et du coup, 12 princes. Donc ça, c'est pas mal quand même. 12 princes, c'est quand même plutôt bien. J'aurais préféré 12 ballons, mais ça reste quand même vraiment pas mal du tout. Donc voilà pour ce pack opening, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Donc dans la prochaine vidéo, il y aura une vidéo sur le défi du Crown Championship, où je vais essayer de faire un maximum de victoires. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Et ciao.